Je pense que pour être sérieux, il faut repenser le modèle de dirigeant, d'encadreur. En fait, il faut repenser le modèle de l'acteur sportif au Cameroun. Parce que les coachs qui sont là au Cameroun ne sont pas solidaires. Sont pas solidaires du tout. Il y a beaucoup de coachs qui essayent de faire, qui mettent les bâtons dans les roues à leurs collègues. Et dès que celui-là est viré, ils viennent prendre la place. Et puis après, demain, quand ils sont virés, ils sont les premiers à monter au chrono pour dénoncer X, Y, Z. Maintenant, derrière, est-ce que les contrats de coach sont bien ficelés? Beaucoup de coachs ont des. Il faut dire, on vit dans la précarité. On vit dans un environnement où. Dès qu'un président de corps fait miroiter un coach un salaire qui ne va pas lui donner certainement, mais juste l'effet de dire je vais vous donner 300 000 ou 200 000, le coach va courir. Mais c'est le président de club. Moi, on a voulu tirer sur le coach Fotso, mais j'ai été sidéré d'apprendre que le président dépensait en moyenne 500 000 francs CFA entre Marabout et arbitre et que les joueurs n'avaient pas d'argent. C'est pour ça qu'on dit que ça les rattrape après en Coupe d'Afrique. En compétition africaine, c'est normal. On vit dans un environnement où les présidents préfèrent donner l'argent à des charlatans, à des marabouts, à des arbitres et autres, et tout, mais ne donnent pas l'argent aux joueurs et aux coachs. Mais il faudrait que le syndicat des coachs le dénonce. Il faudrait que le SINAFOC le dénonce. Mais tant qu'on n'a pas une réelle opposition en face, tant que les dirigeants de club n'entrent pas dans la logique où ils commencent à craindre les répercussions qui pourraient arriver si jamais ils rompent le contrat, les contrats de manière abusée, ça va toujours continuer comme ça. Et c'est ça, je vais te détruire, ça n'existe nulle part dans le monde, sauf au Cameroun peut-être, ou dans les pays en voie de sous-développement. Le Cameroun n'est pas en voie de sous-développement, sauf si on se trompe. Donc il faudrait repenser la qualité du dirigeant sportif ou de l'acteur sportif au Cameroun. On parlait de 50 000 francs en Ligue 2 et 100 000 francs en Ligue 1 pour les joueurs et je ne sais plus combien pour les entraîneurs. Donc, c'était la base, c'était le principe. Maintenant, qui devait payer cet argent-là? Est-ce que c'était à la Ligue de payer directement les clubs, les entraîneurs, les acteurs? Est-ce que c'était à la Fédération de payer directement les acteurs? On se souvient qu'à une époque, au Cameroun, les présidents des clubs ont refusé que cet argent soit géré directement par les institutions qui organisaient le championnat, qu'il fallait leur remettre cet argent parce que, soi-disant, c'est eux qui embauchent les joueurs, et c'est eux qui doivent payer les salaires. Vous voyez un peu, c'est ça la différence. C'est qu'au Congo, c'est la fédération qui donne directement aux joueurs. Reste directement aux entraîneurs. Aux acteurs. Et le club vient ajouter ce que lui, il a défini sur la base contractuelle, justement. Ce que vous avez à voir. Donc c'est un modèle qui peut s'appliquer au Cameroun parce qu'on sait déjà qu'il y a ces fonds-là. Mais comment est-ce que ça se passe? Mais malheureusement, comme je dis encore, le problème que nous avons au Cameroun, c'est que on est dans un environnement embryonnaire où tout est fait de manière avec beaucoup d'amateurisme.